Bonjour tout le monde. Si vous avez moins de 18 ans ou que vous êtes un fragile qui écoute Céline Dion cachée sous sa couette le soir en pleurant sur son oreiller dans le plus grand des secrets, vous devez quitter cette vidéo. Et je vous suggère la saison 1 des Teletubbies sur TF Pouet. Sinon, bonne vidéo, biatch. Salut et bienvenue les gens sur notre 7ème et dernière journée pour Drake Maul. Alors on va en venir au sujet de la vraie vidéo dans 2-3 petites minutes. Comme vous le savez, Drake Maul c'est en intro de vidéo. Durant cette semaine et pendant les 7 jours, il y a eu une petite intro Drake Maul à chaque début de vidéo. Alors j'ai dû en zapper une ou deux, mais c'est parce qu'en fait si vous voulez j'avais déjà enregistré les 6 vidéos à l'avance. Bref, on s'en fout. Alors je vais être totalement transparent avec vous. Donc comme vous le savez, l'argent que je reçois sur Drake Maul est crédité par un gars de chez eux. Et quoi qu'il arrive au cours de cette vidéo, que je perde tout ou bien que je gagne, le site m'a promis qu'il m'enverrait une GoPro Hero 6. Donc ça c'est cool. Maintenant la question qu'on se pose tous, c'est combien va me coûter la GoPro Hero 6. Là on est d'accord que j'ai 82$ sur ma balance. Sachant tout ce que j'ai dépensé avant, je pense que si on additionnait tout ça, on serait à mon avis aux alentours des 200$. Peut-être un peu moins, regardez, je défile les pages. Si vous voulez calculer combien qu'on a dépensé depuis le début, voilà, j'ai défilé toutes les pages, vous mettez pause et vous me dites combien qu'on a dépensé. Plus, vous rajoutez les 82,35$. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va aller vraiment le coup de créditer de l'argent sur le site pour peut-être avoir une GoPro moins chère que ce qu'elle vaut. On sait que la GoPro vaut déjà 550$. On ouvre une case et on espère qu'on va gagner la GoPro. La GoPro, la GoPro, allez avec moi les gens. Bon, de toute façon, on le sait que dans tous les cas, même si je l'ai pas, je l'aurai quand même. Ah bah voyez, on a déjà un drone, c'est plutôt pas mal. On va le vendre parce que de toute façon moi c'est pas le drone que je veux. Donc on a 142,36$ sur nous. Ok, la GoPro, la GoPro, la GoPro. Avec moi dans les commentaires, la GoPro. Je sais quoi qu'il arrive, de toute façon je vais l'avoir. La GoPro, une carte SD bien sûr. On va la vendre, Sally Tame. Bon bref, écoutez, je vais ouvrir plusieurs caisses comme ça. On va pas toutes les faire ensemble. Et moi je vous dirai ce qu'il en est. Et ben voilà. Et ben c'est cool, franchement j'ai pas mis longtemps, je m'y attendais pas à la gagner aussi rapidement. Et ben nickel, on va la garder. Et ben franchement ça a été super vite. Alors comme vous aurez pu le constater, durant les 6 premiers jours j'ai vraiment pas eu de chance, c'est vraiment un truc de fou. Et comme par hasard la 7ème journée j'ai joué quoi, j'ai joué 2-3 coups là. Et j'ai eu la GoPro directement. Bref, que dire de plus. Merci vraiment à Drake Maul pour cette GoPro. Donc, eh bien les gens, on va passer tout de suite au sujet de la vidéo. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que si vous voulez tenter votre chance dans les commentaires, vous avez un petit lien dans la description. Du coup, on se retrouve dans le cœur de la vidéo, bien entendu, avec notre chère amie Sofiane. Sofiane, comment vas-tu? Bonsoir, mesdames et mesdames. Ça va, Sofiane? Ça va, mon petit monsieur. Ouais, ça va, monsieur, ça va. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu Tu préfères avec Sofiane. Donc, Sofiane, moi, je vais te poser des questions et toi, tu vas y répondre. Bah, vas-y, hein. Non, on se dit une question chacun, ok? Une question chacun, d'accord? Vas-y, vas-y. Ok, ça marche. Réponds-nous deux, de toute façon, réponds-nous deux. Ah non, c'est une question chacun. D'accord, vas-y. C'est une question chacun. Voilà, là, je te lis la question. Hein. Est-ce que tu préfères être chinois ou être japonais? Japonais. Pourquoi, monsieur? Ça, c'est intéressant, on veut savoir. Je sais pas, moi, japonais, ça change. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les chinois? Oui, j'aime bien les chinois. Alors, pourquoi pas chinois alors? Hein? Parce que j'aime bien le Japon. D'accord, t'aimes bien, voilà, le Japon. Voilà. Ok, c'est... D'accord, ah, bonne réponse. C'est simple, nickel, ça, bonne réponse. Moi. Allez, vas-y, à toi, à toi, à toi, tu me poses une question. Bien, pas trop trash, non, ça... Non, non, bah, tu mets autre et tu lis la question carré. Normalement, il n'y a pas de trash, hein. En principe. Alors, tu préfères chaque personne que, ouais, tu regardes, elle meurt instantanément, ou chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles? Ah, attends. Chaque personne que je regarde meurt instantanément, ou... Ouais. Chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. Bah, je prends un coup de genou dans les couilles, je prends un coup de genou dans les couilles, je veux dire. Ouais, t'es dans la moyenne, quoi, t'es dans la moyenne. Ah ouais, oui, toi, en fait, t'étais dans quoi, toi? T'as dit japonais, c'est ça? Ouais. Ah ouais, bah, t'es dans la moyenne aussi, 73%, hein, j'avais oublié de... Ouais, ok, je suis dans la moyenne? Ouais, 52%. Okay. C'est quand même 48% de gens qui préfèrent que tout le monde meure, quoi. Ok. C'est à moi et on n'a pas de joker, hein? Vas-y. D'accord. Tu préfères te retrouver avec deux mecs bien baraqués chez toi dans ta chambre,
Et je peux te dire qu'ils sont chauds de ouf, mon vieux. C'est tu vas trash, manger, tu vas manger sévère. Et je te parle, tu sais, c'est des gays. C'est ouais, des, tu vois, ils aiment bien les hommes. Ouais. Ou alors te retrouver. Bah, je te lis la question. Hein. Ou alors te retrouver dans une boîte de nuit entouré d'une centaine de gays, mon vieux. Mais ils sont super chauds de ouf, mon gars. Et ils attendent qu'une chose, et ils ont juste faim de toi. Alors, tu prends laquelle? C'est pas vrai. Non, c'est je te promets, la vérité, c'est la question. Les abonnés, ils te le diront, c'est la question. Bah vas-y, le 1. Hein. Tu préfères te. Tu pr... ah, ils étaient 5 en fait, j'avais mal lu la question, ils étaient 5. Et ouais, c'est, bah des, oui. C'est des blagues. C'est des blagues, mon gars, c'est des blagues. Hein. C'est pas dans la. C'est pas de sens, ça. Je pose la question. Je pose la question. Bah vas-y, le 1, attends, s'il y a plein tu de. Tu prends gays, les blagues, gars. Bah oui, attends, si. Ils me rentrent tous dedans. Attends, si 100 gays me rentrent dedans, vous 5 gays, bah c'est bon. Toi, toi, tu préfères les 100. Toi, tu. Ok, ok, à toi de me poser une question. À toi de me poser une question. Oui, attends. Je vais essayer de t'en trouver une bonne. Non, 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 tu prends la prochaine. Eh. Pas de triche. Hein. Tu ah, prends pas la prochaine. Triche, hein. Non, non, pas de triche là. Allez, pose-la là. Tu dois la poser là. Allez. Tu préfères voir un poisson dans l'air ou ouais. Voir un oiseau dans l'eau? Voir un poisson dans l'air ou voir un oiseau dans l'eau? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah oui, c'est de la merde. Je veux dire. Bah écoute, bah, voir un poisson dans l'air, voir un poisson dans l'air. Ouais. Non, voir un oiseau dans l'eau. Ce serait vraiment. Non, un poisson dans l'air. Ouais, un poisson dans l'air, ouais. Il y a des poissons qui volent, ça s'appelle les poissons volants. Ouais, des poissons volants. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, moi, question. Alors, c'est parti. Donc, on n'a pas de joker, cochon, hein, et on triche pas, on pose les questions. Voilà. Tu préfères. Monsieur, alors putain, elle est super bizarre cette question. Tu préfères te rentrer, tu préfères faire va-et-vient dans ton rectum avec un gros manche à balai. Non, je te jure, je sais pas, je suis sur le site, mon gars. Écoute-moi bien. Tu préfères faire va-et-vient dans ton rectum avec un gros manche à balai, mais bien gros. Ou alors tu préfères t'asseoir et te relever une seule fois sur quelqu'un, mais tu sais, un bien baraqué, mon gars, mais... Attends, redis, j'ai pas un bien baraqué. Et c'est... Moi, vas-y. Est-ce que tu préfères faire 20 va-et-vient avec un gros manche à balai, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Bien gros, tu vois ce que je veux ouais. Dire? Ou alors t'asseoir une seule fois sur un mec, tu vois, de type bien, quoi, tu vois, bien, quoi. Alors... Un manche à balai, hein. J'ai pas envie de donner du plaisir à un gars que je connais pas, bon. Même un gars que je connais, je lui donnerai pas de plaisir. Bon. Oh, ça va, t'es dans la moyenne. C'est bon, t'es dans la moyenne. Vas-y, à toi. Tu préfères te faire sodomiser par un scooter. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tous les samedis soirs. C'est quoi ça? Ou Louis. Attends, je vais te le redire. C'est pas sur le site. Je te jure, c'est dans le site, ça. T'es un menteur! Non, je te jure, c'est dangereux! Regarde, tu préfères faire sodomiser par un scatophile sadomasochiste tous les samedis soirs ou ouais. Louer pendant une nuit ton petit frère de 4 ans à un groupe de pédophiles 50 l'air. Tous les samedis! Vas-y, vas-y, j'irai tous les samedis soirs et puis c'est tout! T'es dans la moyenne, 56. C'est ce bâtard, t'es pas sur le bon site. Enfoiré, bah. Elle est dure, celle-là. Celle-là, elle est dure. Est-ce que tu préfères faire l'amour à un jeune enfant consentant et lui procurer énormément de plaisir ou alors violer sauvagement et sans vergogne une personne au hasard dans la rue? Bah... C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je suis d'accord. Parce que dans le 1, le gamin, tu vois, il est consentant, mais dans le 2, je viole quand même, c'est chaud. Ouais, mais bon. Ouais, mais dis-toi, c'est un gamin consentant de 4 ans. Hein. Ah bah, vas-y, il a 2, hein, s'il a 4. Ok. La 2, allez, la 2. Je vais te dire si tu es dans la moyenne. Ah non, t'es pas du tout dans la moyenne, tu vois. Les gens, ils préfèrent mieux voler un gamin consentant. C'est ça. C'est à toi. Tu préfères sucer une bite quand tu dis une connerie? Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette question? Y'a pas ça. Ou oh. Te faire enculer quand tu dis un truc intelligent? Non, non, c'est quoi ça? Vas-y. Réponds. C'est quoi cette question là? Non. Attends, je préfère
Je préfère quand tu dis conneries ou te faire enculer quand tu dis un truc intelligent. C'est simple, hein, c'est simple, hein, tu sais, voilà. Me faire enculer quand je dis un truc intelligent. Ah ouais, toi t'es bien dans le cul, toi. Ouais, bah t'es pas dans la moyenne. Attends, j'ai pas dit, j'ai pas donné ma réponse. J'ai pas donné ma réponse. Je vais prendre la première et je ferai attention de pas dire de conneries, monsieur. Voilà, c'est tout. Voilà. Vas-y, vas-y, pose la tienne. À moi, à mon tour un peu. Vas-y. Oh, ok, d'accord, ok, ok, j'en ai une pour toi. J'en ai une pour toi. Attends, alors. Oh, moi, franchement, elle est pas dure, celle-là, elle est pas dure. Moi, je donne déjà ma réponse, mais bon, je te la pose. Est-ce que tu préfères branler un pote et personne ne sait? Ou alors, ne pas le faire et tout le monde pense que tu l'as fait? Le 2, hein. Ah, évident, c'était évident, c'était trop facile, c'est trop facile. Oh eh, mais mon gars, mais il y a 61% des personnes qui ont répondu branler un pote et personne ne sait. Putain, les gens ils ont tellement peur de la vie des autres. C'est grave. Ça c'est les gens qui ont peur de la vie des autres, tu vois. Mais la vie des autres, on en a tellement rien à branler au final. Ouais, tu vois, moi je préfère la 2. C'est clair. Je préfère que tout le monde croit que je suis pédé alors qu'en fait je le suis pas. Ah bah. Ou que je l'ai fait une fois et que personne le sait. Non mais t'es taré, toi. T'es malade. T'es un ouf. Alors, tu veux que je te fasse la mienne? Vas-y, vas-y, fais-moi la tienne. Fais-moi la tienne. Tu préfères voir tes grands-parents faire l'amour à chaque fois qu'ils le font? Ou faire l'amour une fois avec eux et ne plus en entendre parler. Ouais, il est chaud. Elle est dure, hein, elle est dure. Hein. Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais, mais je les vois une fois. Non, à chaque fois qu'ils le font, tu le vois. Bah vas-y, à chaque fois. À chaque fois. Allez. Là, ça va, 70% des gens. Il y a quand même 30% des gens qui sont sur la piscine avec leurs parents. Hein. Non, ouais, une fois. Ah, une fois. Elle est dure, celle-là, elle est dure. Tu préfères faire l'amour avec le corps de Rihanna, mais avec la tête de Moundir. Tu vois, c'est qui Moundir? Ouais, ouais, bah oui. Moundir de Koh-Lanta, là, ouais. Tu vois. Ouais. Ou alors faire l'amour à Moundir, mais avec la tête de Rihanna. Bah, la 1. La 1. De la gueule. Je mettrai un sac en papier sur la gueule et puis c'est tout. Ouais. Écoutez-le. Moi, donc, je choisis le corps de Moundir. Non, moi franchement, j'aurais réfléchi, tu vois. J'aurais pas pu donner ma réponse en 2 secondes, j'aurais réfléchi. Bah la 1, non, attends. La 1, donc toi là. Oh, la 1. Mais... Ah, t'es qu'à 75% avec. Ouais. Vas-y, pose ta question. Tu préfères te faire fister par Wolverine ou te faire sodomiser par Hulk? Bah là, dans l'autre, je veux dire... Ah, Wolverine, attention, il a des griffes, hein. Ouais, mais bon, Hulk, je veux dire... Il fait 3 mètres. 3-4 mètres, ouais, mon gars. Donc fais attention. Non, ouais, je pense que... Ah, je prends Hulk, hein, je prends Hulk, et puis c'est tout, mon gars. Je prends Hulk, je suis dans la moyenne ou quoi? Je suis dans la moyenne. Non, mec. Même pas, les gens, même ils vont se faire pister par Wolverine. Mais c'est taré, les gens. À combien de pourcents? Combien? 51. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Tu préfères participer au gangbang de ta petite sœur? Oh! Ou tu préfères prendre sa place? Moi, je prends sa place, hein. Je prends sa place. Qu'est-ce que tu principes, hein? Non, je comprends. Je pense que j'aurais répondu la même chose. Y'a que les égoïstes qui diront ouais, moi vas-y j'y vais. Moi je laisse moi. Je pense que j'aurais répondu la même chose. Donc prendre sa place. Ah, ah putain, c'est serré, hein. Ah ouais? Ouais, c'est serré, mon y'en gars. Y'en a beaucoup, hein, qui vendraient leur... Bah, disons que t'es dans la moyenne avec 56% seulement. Tu vois? Ah ouais. Y'en a 44% de l'autre côté quand même, hein. Tu préfères t'asseoir sur un pénis et sucer un gâteau? Ou ta soeur sur un gâteau et si c'est un pénis? C'est elle est bien, celle-là, moi, c'est bien. C'est toi qui viens te lamenter, celle-là. Non, je suis devant elle, là. Attends, répète la question. Ta soeur sur un pénis et si c'est un gâteau, ou ta soeur sur un gâteau et si c'est un pénis? C'est simple. Tu trouves ça simple, toi? Oh putain, il fait chier, ce coup-là. Tu trouves ça simple, toi? Bah ouais, hein. Ah, franchement, attends, laisse-moi réfléchir. Attends, t'hésites entre le cul et la bouche. Franchement,
Je m'assois sur un gâteau et je suce un pénis. Putain. Vas-y. Il y a 66% des gens qui préfèrent s'asseoir sur un pénis et sucer un gâteau. Il y a beaucoup de pénis. Est-ce que tu préfères être pédé comme un phoque, c'est-à-dire bien, tu vois, ou être hétéro, mais aucune femme ne veut de toi? Moi, mais je peux être pédé sans faire forcément l'amour avec des hommes. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, tu dois au moins y aller une fois, peut-être, je sais pas. Vas-y, je suis pédé, non. Je couche avec des femmes, j'ai le droit. Non. C'est ça. Allez, donc laquelle? Bah la une, hein, parce que la une ça sert à rien si ouais, je suis que je connais pas. C'est très très serré, mon gars. Ouais. 53% voudraient être hétéro et 47% voudraient être pédé. Entendu dans les 47%. Moi, je vais t'en poser une bonne. Tu verras, celle-là, elle est dure. Elle est très dure. Vas-y. Attends, pose ta question. Tu préfères coucher avec ta mère ou tuer 3 milliards de personnes? 3 milliards, hein, la moitié de la Terre. 3 milliards de personnes. Tous les petits Africains et tout, c'est-à-dire que tu tues tout le continent africain. C'est quand même... Et toi, vas-y, à toi, à ton tour. Alors on voit les Africains. Désolé. Hein. Attends, qu'est-ce que vous aurez fait dans les commentaires? Qu'est-ce que vous aurez fait? Dites-nous. Il y a un plan qui dira « Ouais, moi j'aurais direct couché avec ma mère. » Fais-le. Bon. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur « Tu préfères ?» Bien entendu. Pas à répondre dans les commentaires ce que vous aurez fait à notre place. N'hésitez pas à répondre qu'est-ce que vous aurez fait, vous. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos de ce style, eh ben vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Nous, on se dit à bientôt. Et ciao tout le monde. Bye bye, au revoir Sofiane. Au revoir, petit monsieur. Salut.